L'agence de presse étatique syrienne Sana affirme que les États-Unis ont intensifié leurs opérations de vol des ressources naturelles syriennes. Elle assure que les États-Unis ont transféré dimanche 137 pétroliers chargés de pétrole volé des champs pétrolifères syriens vers leur base en territoire irakien. La cargaison a été faite en deux lots, le premier comprenant 122 pétroliers et le second 15 pétroliers. Depuis le 11 août, les États-Unis ont donc subtilisé au total 535 pétroliers de pétrole syrien. Le gouvernement syrien accuse depuis longtemps les États-Unis de voler les ressources naturelles du pays, telles que le pétrole, le gaz et le blé. Plus tôt ce mois-ci, le ministère syrien du pétrole a déclaré que les forces américaines volaient 80% de la production pétrolifère de la Syrie. Les États-Unis n'ont pas répondu aux accusations, mais le Pentagone affirme que le déploiement des troupes vise à empêcher que les champs pétrolifères de la région ne tombent entre de mauvaises mains.